Ils l'ont pas arrêté. Il a dénoncé c'est quoi? Non, c'est un musulman, tout simplement, qui se révolte contre tout ce qui est terrorisme. Mm-hmm. Voilà. C'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, quelqu'un de très bien. Moi, j'ai énormément d'admiration pour lui. C'est un homme très courageux, unique dans notre monde, unique en France. Il est formidable, il a été lâché, comme ça dans la c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Et qui l'a lâché? Mais il a eu une protection rapprochée pendant 15 jours parce qu'il y a eu des menaces de mort, et ensuite on l'a laissé. Voilà. Écoute, si tu peux le trouver, Michel... je peux essayer... par des amis. Parce que moi... Par des amis. Mais ça fait... Je vous dis, David, ça fait depuis le mois de juin. Ah. Son blog, il s'est arrêté au 16 juin. C'est pas compliqué. Ah, moi, je crois que je l'avais envoyé un message. Comme je connais des gens qui le connaissent... C'est pour ça que je tenais à vous dire ce qui lui était arrivé. Merci, moi je ne savais pas ça, je t'assure. Merci de nous informer. Voilà, quand il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien, voilà ce qui lui arrive. C'est difficile, ouais. Si tu le trouves, te dis qu'il prend contact avec moi. Je l'avais envoyé un message au mois d'août, je crois, même peut-être juillet. Ah oui, je ne savais pas. Mais c'était trop tard. Non, je ne savais pas. C'est vrai que j'étais étonné, j'ai pas eu de retour depuis le mois de juillet, je crois, juillet ou août. Alors si tu peux le trouver... Tu dis qu'il prend contact avec moi. Il peut aller, tu parles sur mon site davidabassi.com. Après, tu m'envoies un email. Si tu le trouves. Ton site. Je suis prêt à l'aider. Si je peux l'aider, avec grand plaisir. Mais c'est pour ça que j'ai appelé. Ça me fait tellement mal au corps. Et on est nombreux comme ça derrière lui. Vous avez créé un comité, quelque chose? Des pétitions, tout ça? Si on a fait des pétitions. Tu l'envoies pour moi, je vais signer, ok? D'accord. Ouais. Et qui disait qu'il ne savait pas parler l'hébreu? Moi, je le parle couramment. Tout à l'heure, c'était Pierre qui était juif, il ne parlait pas hébreu. Comme Maliké qui est en face de toi, qu'il ne parle pas arabe. Mais moi, je parle hébreu. Tu parles bien hébreu, c'est bien. Bon. C'est une chance, C'est une chance. Comment? C'est une grande chance. J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est une chance. Elle dit c'est une chance. Ah oui, c'est vrai. Abdel, bonjour Abdel. Nous sommes avec deux filles, Michel et Maliké. Tu es juste au milieu. Abdel, bonjour. Abdel. Oh, il est parti, Abdel. Abdel. Ah, Abdel, il est parti, toi. Il n'a pas eu la chance de rester au milieu de deux princesses, là. Moi, je pense que Abdel était contre Mohamed Sifoui. Il faut, si tu as un moment, tu vas sur son blog. Mais pas, et tu vas voir, tu fais des procès. Tu vas voir les menaces, tu sais pas, Michel. Des Arabes contre lui. Michel. De musulmans contre lui. Oui, Maliké, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, c'est juste une petite boutade, mais Michel, tu ne sais pas, c'est un procès. Attention, tu ne sais pas s'il est contre. Bon. Contre quoi? Quoi donc? Ce que tu as dit, je pense que la personne qui est partie est contre Mohamed. C'est ça? Peut-être que j'ai mal compris alors. Mais je plaisantais. Elle plaisante. Je plaisantais. Donc, c'était pareil, c'était dans le même... C'était une boutade aussi, je l'ai dit, c'était une boutade. Oui, non, je plaisantais, je me permets pas de juger les gens sans les connaître. Non, là j'appelais vraiment parce que j'étais sûre que David, tu connaissais bien Mohamed Sifoui, et je sais pas pourquoi j'ai eu l'intuition que t'étais pas au courant. C'est vrai que j'étais pas au courant, je te remercie beaucoup. En plus, Abdel, il est de retour, Michel. Voilà, on va voir. Ouais. Abdel, bonjour. D'accord. Oui, bonjour. Alors, comment allez-vous, monsieur Abassi? Très bien, monsieur Abdel, et vous? Très bien, merci. Alors, je disais que vous étiez entre deux princesses, oui. Maliké et Michel, et tout d'un coup, vous êtes parti. Mais grave, vous êtes là de nouveau. Vous avez pris votre place. On vous écoute, Abdel. Voilà. Vous connaissez Mohamed Sifoui, la personne qui était en train de parler? Oui. De toute façon, je vous écoute depuis très, très, très longtemps. Ouais. Bon, on a fait le tour de l'islam avec vous depuis longtemps. Et est-ce qu'on peut passer à autre chose pour savoir est-ce que
les juifs, les autres religieux, est-ce qu'ils croient en un Dieu, est-ce qu'ils croient qu'il y a un paradis et tout ça, et on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'ils pensent eux. Et pour vous, est-ce que je me permets de vous poser deux ou trois questions toutes simples? Oui, monsieur. Vous parlez très très bien l'arabe, d'accord? Par exemple, en arabe, qu'est-ce que ça veut dire « Arab » ? J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire « Arab » et j'aimerais vous dire deux phrases et si vous pouvez les traduire en français, s'il vous plaît. Oui, allez-y, on va voir. Je vais vous donner quatre mots et qui forment une phrase et j'aimerais bien que vous traduisez cette phrase en français, ok ? Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Je vous écoute, monsieur Abdel. Voilà. Al-Afou, le premier mot c'est Al-Afou, le deuxième, Mamnoua. Le deuxième c'est Mamnoua. Mamnoua. Interdit et Al-Af, pardon, oui alors? Al-Afou. Oui. Le deuxième mot, Mamnoua. Oui, Mamnoua, interdit. Le troisième mot, Tenfid. Oui. Et le quatrième mot, Al-I'dam. Donc ça c'est une phrase, si vous pouvez la traduire s'il vous plaît en français. Quel rapport en Tanjid et Dam, quel rapport en tout, sur toutes les quatre mots que vous venez de dire? Et il y a un rapport très 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 intéressant. Ben, de toute façon il faut traduire d'abord et on verra le rapport ensuite. Si vous le permettez, puisque vous aimez bien le dialogue. Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il ne me reste pas une demi-minute. Je me permets,